Et salut à vous les amis, c'est Freddy et aujourd'hui on se retrouve sur The Secret of Monkey Island, édition spéciale, et donc nous allons nous battre avec la reine du sabre, puisque nous avons appris des insultes durant l'épisode précédent. Et donc on va aller la voir, bien qu'elle ne soit pas au courant que je vais la voir, puisque je suis pas censé aller la voir, car elle ne veut pas que j'aille la voir. Et je vais lui parler. Parler à Reine du Sabre. Comment oses-tu t'approcher de la Reine du Sabre sans permission? Tu n'as certainement pas mon autorisation. Je m'appelle Guybrush Threepwood. Je suis ici pour te tuer. Rien ne vaut l'honnêteté. Ton rectus sarcastique m'indique que tu as pris les cours du Capitaine Smirk. On va finalement en finir une fois pour toutes. Tous tes mots sont idiots. Ça peut ressembler à quoi ça? Tous tes mots sont idiots. Oh, ouais, non, je vais pas l'aider à lui trouver les mots. J'ai essayé de me mettre à ton niveau. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais! Et de 1. La séduction n'est pas ton fort. Ouais, là, je vois pas. Parce qu'il n'y a personne qui m'a parlé de séduction avant. J'ai gagné le concours des plus beaux. Ouais, non, c'était pas ça. Bon. Mes ennemis les plus endurcis s'enfuient en me voyant. Ben, je l'ai pas non plus. Enfin, du moins, je pense pas, ouais, non. Ma langue est plus pointue que n'importe quelle épée. D'abord, arrête de la brandir comme un plumeau. C'est un peu bizarre de dire ça, non? Mais c'est ça. T'as une angine ou tu parles toujours comme ça? Ça, je pense que c'est le tube de l'été. Excuse-moi, mais j'ai fait un tube l'été dernier. Maintenant, je connais la corruption et la stupidité. Je sais pas. Je pense pas que je connaisse assez d'insultes pour la battre, hein, mais bon. Je vois souvent les gens comme toi ivres morts dans le caniveau. Ouais. Je sais pas trop. Je bois pour tolérer des gens comme toi. Ce qui me semble plus. Non. Tu as des cuisses de grenouille. J'ai gagné le concours des plus beaux mollets. Tu n'aurais pas dû te tremper dans cette histoire. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que les phrases, elles sont mal traduites. Pourquoi tu voulais en emprunter une? J'abandonne, tu as gagné. J'ai mis au pif hein, la dernière. Et faudrait que j'aille voir sur internet s'il y a les vrais, si c'est les vrais insultes ou s'ils les ont mal traduits. Parce que s'ils les ont mal traduits, c'est un peu con quoi, parce que ça n'a rien à voir là ce que j'ai dit. Je voyais pas quoi dire, j'ai mis au pif et au final j'ai gagné. Bon, en tout cas, j'ai gagné quoi? J'ai gagné un autre t-shirt. Donc je vous propose qu'on aille tout de suite au pub et qu'on aille le redonner. Oups, pardon. Voilà, j'ai cliqué à côté sans le vouloir. Donc ça fait quelle heure là? Ça fait 5 minutes. Je réfléchissais. Nous allons au pub et nous allons. Et nous allons au village. On aura fini les trois épreuves.
Le navire, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme un pressentiment. Hey, qu'est-ce que tu vas voir planter là comme ça? Le gouverneur a été kidnappé. Comment? Par qui? Le Chuck l'a embarqué sur le navire qui vient de larguer les amarres. À mon avis, il y a peu de chances qu'on la revoie. Où sont-ils allés? Le Tchèque a emporté le gouverneur dans son refuge sur l'île aux singes. J'ai bien peur qu'aucun pirate ici ne soit assez courageux pour aller à sa poursuite. Mais bonne chance. Oh oui, j'avais presque oublié. Ils ont laissé ce mot. Tu peux le garder, mais tu ne vas pas en aimer le contenu. Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot? Attention, pirates de mêlée. Votre gouverneur est hors de danger et à mes côtés, comme elle aurait toujours dû l'être. Si vous essayez de nous retrouver, je vous réserve une mort atroce. Mes amitiés, capitaine LeChuck. Tant, tant, tant. Allons, bah. C'est moins joyeux. Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi? Et ben on va le savoir. Pam. On va le savoir maintenant. Où sont tous les pirates? Oh, ils sont tous partis en train de piller le palais du gouverneur. Le gouverneur est parti. Le Chuck et son équipage de spectres l'ont capturé. Ils l'ont embarqué à bord du navire fantôme. Elle était si bonne avec moi. Elle égarait toujours les rapports de contrôle sanitaire. Bien sûr, en échange de quelques faveurs. Qu'est-ce que va devenir mon affaire? Au désespoir profond. Que puis-je faire pour la délivrer? Tu dois trouver un navire et la retrouver. La planque du pirate fantôme se trouve sur l'île aux singes. Tout le monde sait ça. Ne me demande pas pourquoi. Tu n'as qu'à trouver un moyen de t'y rendre. Pourquoi c'est moi qui dois y aller? Mais bien sûr, par amour, mon garçon. Ne le nie pas, ça se voit sur ton visage. What? L'amour. C'est con. Où est-ce que je vais trouver un navire? Eh bien, chez Stan, les bateaux d'occasion tout neufs. C'est là où tout le monde va. Dis-lui que je t'ai envoyé, nous sommes de vieux amis. Tu viens avec moi? Hélas, je ne peux pas aller en mer. Tu comprendras ça. J'ai pas parlé parce que j'ai fait what the fuck dans ma tête. Parce que le mec qui peut plus aller en mer, ça me rappelle un peu Skyrim. Avant j'étais un héros, mais depuis j'ai pris une flèche dans le genou, tout dans le genre. Bon, d'accord, j'y vais. Et alors moi, comme je vois, mettons cache. Mais qu'est-ce qui s'occupe de. Et n'oublie pas d'écrire. C'est pas ma mère. Au revoir. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre un peu de tous les verres en fait. Mais je vais pas vous dire pourquoi, parce que moi je sais pourquoi je vais les prendre les verres. Parce que je me rappelle de l'énigme et je me rappelle du jeu. Et du coup, en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est que je prends tous les verres. Et si je regarde, j'en ai 4 dans mon inventaire. On va prendre le cinquième ici. C'est que ces verres-là, ils vont me servir à quelque chose. Mais vous le découvrirez au prochain épisode, car je suis salaud. Et oui, nous arrivons à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'espère que les autres aussi, d'ailleurs, vous plaisent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je suis content d'être avec vous. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, favoriser. J'ai déjà dit commenter. Vous abonner, si vous voulez. C'était Freddy. On va se laisser sur ce cuisinier pleurnichard qui me vrille les oreilles. Je vous dis à plus. Salut, les amis!